Rebonsoir donc. Ce soir, je voudrais vous présenter, comme le titre l'indique, un bilan un petit peu de 20 ans de recherche archéologique dans le sud de Laos. Nous sommes arrivés ici en 91, au début de l'ouverture du Laos, et grâce à l'impulsion d'Alain Thiollier, qui était conseiller culturel à l'ambassade de France, et qui nous a demandé au départ de rechercher des traces de préhistoire sur le site de Vadpou. Alors, nous n'avons pas trouvé de traces préhistoriques à Vadpou même, mais par contre, nous avons trouvé énormément de choses qui ont permis de renseigner ce temple, qui est un très grand temple khmer, donc situé dans le sud de Laos. Alors, tout d'abord, je voudrais vous faire un petit retour sur quelques cartes et replacer un petit peu Vadpou et dans un cadre historique. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez environ au début de l'ère chrétienne, voilà, ici dans la péninsule indochinoise, deux entités politiques qui coexistent. Celle du Funan, qui est datée d'environ du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ, et celle du Chenla. Ces deux noms sont donnés, nous sont donnés par ça va aller mieux dans 5 minutes. Ce sont par les Chinois, merci, que ces deux noms sont connus. Donc nous ne savons pas exactement à quoi ils font référence, mais en tout cas ils font référence à deux royaumes en tout cas qui ont coexisté. Et c'est donc toute cette partie de l'Indochine, de la péninsule indochinoise, qui a été indianisée dès le départ, puisque ce sont des pays qui ont été sur lesquels les marchands chinois sont venus d'abord par le cabotage et ensuite par des voies terrestres. Et pour vous donner une idée de... Donc le Funan aurait préexisté au Chenla, mais bon, encore, on ne sait pas exactement vraiment ce qu'il en est. Et voici la taille du royaume que l'Empire encorien va prendre, en tout cas à la fin au moment de son apogée, vers le 12e-13e siècle. Donc vous voyez la différence de taille des empires. Et donc on appelle cette zone une zone indianisée, puisqu'en fait les marchands indiens qui sont venus d'une part donc par les voies maritimes, d'autre part par les voies terrestres, ont amené avec eux des brahmanes qui ont donc pour leur rituel hindouiste. Et donc c'est l'influence de la culture indienne qui va s'installer ici. Et ce sont donc les religions indiennes, donc d'une part l'hindouisme, avec deux grandes religions, le vishnouisme et le shivaïsme, qui vont s'installer dans toute cette péninsule indochinoise, et d'autre part le bouddhisme, qui plus probablement va se déplacer par voie terrestre. Et donc ces trois religions ici vont cohabiter pratiquement dès le début de l'ère chrétienne. Donc sur la taille des royaumes, évidemment nous n'avons pas de précision précise, et bien sûr ils ont évolué dans le temps, du 1er siècle au 13e siècle, en gros après Jésus-Christ, mais pour vous donner une idée, le Chenla, donc à son apogée au 7e, 8e siècle, couvrira quasiment la même superficie que l'Empire d'Angkor au 12e, 13e siècle, donc au moment de sa grandeur la plus absolue. Pour se rapprocher de Vadpou, vous voyez ici que Vadpou est loin d'être un temple isolé. Donc c'est un temple khmer qui, en l'état, date du 11e, 12e siècle, mais dont on sait par des inscriptions et par des traces archéologiques
qu'il a existé probablement dès au moins le 5e siècle, si ce n'est avant. Donc vous voyez comment, ici, avec cette carte de l'Empire khmer au 12e siècle, comment il s'inscrit dans un tissu urbain assez dense. Vous n'avez ici en plus que les monuments les plus importants qui sont indiqués. J'espère que vous voyez ici la carte du Laos, et vous voyez ici, donc Bat Pho est situé dans la province de Champasak. Et ce rectangle matérialise en gros l'espace qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. Et vous voyez cet amas en fait de points rouges qui montre à quel point la densité des vestiges archéologiques est importante dans cette région. Bien entendu, cette recherche n'a été faite que pour la mise au patrimoine mondial, puisque c'est une carte UNESCO ici que je présente. Mais bien évidemment, en fait, il faut restituer un tissu archéologique beaucoup plus dense que celui-ci. En tout cas, c'est juste pour vous montrer que dans la zone patrimoine mondial, qui fait 390 km², équivalente à celle d'Angkor, puisque Angkor fait 400 km², vous voyez à quel point les petits points rouges finissent par faire des amas, tellement il y a de vestiges archéologiques. Alors, en ce qui nous concerne, la mission archéologique française au sud de Laos a été créée en 1991. Elle est dirigée encore à l'heure actuelle par Marielle Santoni, qui appartient au CNRS, et par Vienkio Sopsavadi, qui aurait dû être présent ce soir, qui est directeur général adjoint du patrimoine du ministère de l'Information et de la Culture du Laos, et qui malheureusement a été empêché ce soir de venir. Donc c'est un bilan de 20 ans de recherche archéologique que je vais vous présenter ce soir. Pour se rapprocher un petit peu de Bat Pho, vous voyez ici une carte simplifiée qui appartient à l'UNESCO, qui vous montre que si le touriste qui vient à Bat Pho à l'heure actuelle a l'impression que Bat Pho est simplement un temple isolé, il n'en est rien. Puisque, sans le savoir, lorsqu'il vient de Champasak pour aller sur Bat Pho, il traverse en fait une ancienne cité khmère qui date par inscription, qui est datée par inscription du 5e siècle. Et puis, il y a un certain nombre de temples alentour qui sont relativement peu visités encore à l'heure actuelle, mais qui montre déjà que Bat Pho n'est pas en tout cas un temple isolé comme on pourrait l'imaginer lorsqu'on n'est pas un visiteur forcément averti. Ici, vous avez le Pukao, qui est le point culminant du paysage de Bat Pho et qui est la raison pour laquelle le temple de Bat Pho a été installé dans cette partie précise du sud de Laos, puisque je vous le montrerai tout à l'heure. Il s'agit, en fait, il a été identifié par les Khmers depuis l'Antiquité, nous dit une inscription du 5e siècle, avec la montagne de Shiva. Donc les vestiges archéologiques sont concentrés essentiellement dans cette zone, mais il y en a également dans la ville moderne de Champasak, qui ne sont pas visibles malheureusement, puisque ce sont à chaque fois des monuments qui sont enfouis sous la terre et donc qui demande à être fouillé pour être compris. Et pour l'instant, la politique, en l'absence de capacité sur place à pouvoir les prendre, les préserver, la politique est donc de les reboucher à chaque fois de les recouvrir de terre à chaque fois qu'ils sont fouillés. Donc simplement, avant de passer à Bat Pho, quelques vues très rapides sur les temples qui sont autour de Bat Pho. Ici, le temple de Ongang Sida, qui est un temple du 12e siècle angrais. Vous voyez ici que seul l'avant-corps est préservé, toute la partie du sanctuaire lui-même est complètement effondrée. Ici, le temple de Waitomo, qui est situé sur la rive gauche du Mékong, qui est un temple dans la forêt, qui était en fait le temple mère
des ermitages shivaïtes qui sont dispersés dans la montagne, puisque Shiva est le dieu des ascètes également. Et donc c'était ce temple-là qui était le maître des ermitages shivaïtes de la région, dans lequel jusqu'à présent, alors il est rentré maintenant au musée de Vatpou, il existait un linga très curieux, puisque c'est un linga, le linga étant le symbole shivaïte, le symbole phallique de Shiva, pardon, un linga avec un visage de Shiva, qui est probablement d'ailleurs assez tardif. Vous voyez la qualité des linteaux qui sont encore préservés au sol et qui sont maintenant rentrés tous au musée de Vatpou pour des mesures de protection. Ce temple ayant eu à subir il y a quelques années un certain nombre de vols, malheureusement. Ici, le temple de Bantat, qui est un peu plus éloigné de Vatpou et qui est l'un des premiers temples installés sur la route qui mène directement de Vatpou à Angkor, puisque le titre de l'exposition de Vatpou à Angkor n'est pas un hasard. Vatpou et Angkor étant liés depuis l'origine du royaume Khmer, et nous en reparlerons tout à l'heure. Voici Bantat replacé dans son contexte. Vous voyez ici le temple avec les trois tours, un premier bassin ici qui devait fonctionner avec le temple, et puis une immense retenue d'eau qui indique que probablement il y avait une installation urbaine proche de ce temple. En fait, les grandes retenues d'eau, comme on les connaît encore, les deux baraïes occidentales et orientales, quand elles sont d'une taille gigantesque, sont toujours liées en fait à l'existence d'une cité alentour. Voici donc le Pukao, qui s'appelait à l'époque khmère hein, le Linga Parvata, c'est-à-dire la montagne de Shiva, qui donc est une montagne qui culmine à 1416 mètres, avec une éminence rocheuse naturelle de 18 mètres de haut et d'une circonférence à la base de 30 mètres. En fait, très récemment, on s'est aperçu, lorsqu'il y a eu une des prospections tout au sommet du Linga, qu'il y avait eu des installations khmères ici, au sommet du Linga, et c'est peut-être là qu'il faut chercher le premier temple khmer de l'Antiquité antérieur au 5e siècle dans cette région. Alors, curieusement, le Linga Parvata, lorsqu'on est proche du Mékong ou dans la plaine, est extrêmement bien visible. Et par contre, lorsqu'on se rapproche du site de Vatpou, du temple de Vatpou, en fait, on le perd. Et lorsqu'on est dans le temple, on ne voit plus du tout le Linga Parvata qui est à l'arrière. Le choix réel de l'emplacement précis du temple de Vatpou est probablement dû à une autre raison. En fait, une source sacrée, Suant Susanabri Sri Roche, ici. Et c'est probablement cette source sacrée assimilée à l'eau de la montagne, à l'eau qui sort du signon de Shiva, qui a été à l'origine du choix particulier de Vatpou. Donc le temple de Vatpou, en l'état actuel, la partie visible que l'on voit, date des 11e et 12e siècles, donc de la période de l'apogée de la période angkorienne. Alors, en fait, il y a deux périodes dans le monde khmer. Il y a la période dite pré-angkorienne, qui couvre en gros le 4e, 8e siècle, et puis la période angkorienne à partir du début du 9e siècle, date à laquelle un roi qui s'appelle Jeyarman II fit un rituel sur les monts Kulen, qui sont au-dessus de Angkor, et il se fit proclamer roi des rois khmers. Et donc à partir de ce moment-là, on considère que l'empire angkorien est né. Donc ce temple fait partie de l'époque angkorienne, mais il est probablement bâti, ou en tout cas un temple pré-angkorien exista bien avant les monuments qu'on peut voir aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est un temple de plan axé qui commence dans la plaine par deux énormes retenues d'eau,
qui n'ont probablement pas été creusées en même temps. Celle-ci, dans l'axe du temple, étant probablement la première à avoir été creusée, tandis que celle-ci a dû être rajoutée par la suite. Et donc le temple commence à s'étager à flanc de colline jusqu'à la terrasse supérieure ici, qui abrite le sanctuaire principal dans lequel il y avait le linga majeur de Bhagpur. Voici un plan d'Henri Parmentier, qui est l'un des chercheurs de l'école qui a fait tout l'inventaire des monuments khmers et lao du Laos. Dans les années, des années 1910, en gros, jusqu'aux années 1900, fin des années 40. Donc vous voyez que le temple commence par un bairail, se prolonge ensuite par une très longue allée de bornes. Deux quadrangles rectangulaires ensuite sont installés sur un soubassement et sur un remblai artificiel, puis par d'autres séries d'allées, on commence à gravir les pentes de la montagne pour arriver jusqu'au Saint-des-Saints, qui est donc ici le sanctuaire principal. Le tout étant clôturé par un mur d'enceinte côté ouest, puisque le temple regarde à l'est. Et à l'arrière seulement, on verra tout à l'heure que le périmètre de la source a été complètement aménagé par les Khmers et sacralisé. Donc, en quelques images, je vous montre le temple de Bhagpur. Ici, vous avez une vue du grand barail. On aperçoit ici les gradins du soubassement supérieur de qui maintiennent la terrasse supérieure. La première allée de bornes qui permet d'arriver au pied de la colline. On se rapproche des deux quadrangles. Voici le quadrangle nord. Alors qu'on avait jusqu'à présent, pendant très longtemps, appelé des palais, puisqu'on pensait que c'était des lieux où avait pu être installé un roi. On ne connaît pas, il n'y a pas de nom de roi khmer associé particulièrement à la construction de ce temple, qui en fait a été systématiquement entretenu par tous les règnes khmers, et dont les deux grandes périodes de construction encore visibles sont le 11e et le 12e siècle. Donc les palais datent plutôt du début du XIe siècle. On verra tout à l'heure que le sanctuaire principal sur la terrasse supérieure date du XIIe siècle. Et en fait, on peut imaginer qu'en dessous, il n'y a jamais eu de fouilles de fait, hein, sur cette première esplanade, ni d'ailleurs ailleurs sur le site en dehors de nos fouilles près de la source. On peut imaginer qu'en fouillant, on pourrait trouver les restes de constructions antérieures. Il faut penser que le temple de Bhagpur a été bâti, rebâti, réaménagé. Les partis pris architecturaux ont pu évoluer durant, en gros, le 5e siècle et le 13e siècle, date à laquelle l'empire angkorien s'effondre. C'est sur ce quadrangle que l'on peut admirer l'un des plus beaux frontons du site, qui illustre ici un Shiva, accompagné par son épouse Parvati, montée sur le taureau Nandine, qui est sa monture habituelle. Donc ces quadrangles sont en fait des galeries vides de tout aménagement, ouvertes d'un seul côté uniquement par des fenêtres à balustres, et qui enferment des grandes cours, vides aussi de construction. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas à quoi pouvaient servir ces deux bâtiments. On a d'autres exemples à Angkor, qui sont les Kléang Sud et Nord, à Angkor Thom. On a d'autres exemples aussi de la même période dans le nord-est de la Thaïlande, puisque l'Empire khmer a couvert en gros tout le Cambodge actuel, le sud de Laos et tout le nord-est de la Thaïlande. Mais dans tous les cas, aucun de ces monuments de ce type n'a pu. On ne sait pas du tout à quoi ils pouvaient servir. Évidemment, dans l'avenir, s'il est possible de faire un jour des fouilles à l'intérieur de ces cours, on pourrait peut-être avoir un peu plus de réponses. Très récemment, en janvier, puisque ce quadrangle nord est restauré à l'heure actuelle depuis quelques années par l'Archaeological Survey of India, très récemment, en janvier 2013, lors de la restauration du porche sud de ce quadrangle,
Une nouvelle découverte très importante a été faite, celle d'une stèle inscrite que vous voyez ici rentrée dans la réserve du musée de Vadpou, qui date du début du Xe siècle. Vous la voyez ici en cours de dégagement par l'équipe indienne et qui, très curieusement, a été enfouie en position verticale dans le soubassement du... Elle est ici, en fait, dans le soubassement de ce porche. Donc il reste à savoir pour quelle raison elle a pu être enfouie à cet endroit précis. En tout cas, elle est en cours de traduction à Paris par des chercheurs de l'École française d'Extrême-Orient. Mais on sait d'ores et déjà qu'elle mentionne un roi qui aurait fait un certain nombre de donations à Vadpou, comme le feront d'ailleurs quasiment tous les rois khmers. Et donc ça mentionne des dons en or, des dons en village, en esclaves, en bêtes, en étoffes précieuses pour le Shiva installé à Vadpou. On continue donc la montée vers le sanctuaire principal avec une seconde allée de borne ici. Un peu plus haut, un gardien de porte, un Dvarapala, puisque tous les temples khmer étaient gardés par des statues en pierre. Et vous le voyez ici, c'est une autre photo qui est exposée dans le jardin de l'IFL. Mais vous le voyez ici, photographié par Madeleine Gitto, qui était une historienne de l'art de l'École française Extrême-Orient, qui était aussi directrice du musée de Phnom Penh dans les années 60. Ici, la photo date de 1963, et il était déjà honoré à ce moment-là, puisque, en fait, il a été assimilé très tôt par les Laotiens, avec le roi fondateur mythique du temple, qui s'appelle le Vrakamatan, et qui aurait donc bâti le temple de Vadpou. Et c'est aussi le héros de toutes les légendes de Vadpou qui vous seront présentées, si je me souviens bien, le 24 au soir, lors de la pièce de théâtre. En fait, il s'agit d'une statue du style Bayonne, c'est-à-dire fin 12e, début 13e siècle. Et donc, c'est une marque d'attention de la part de Jayarman VII d'avoir installé là ces grands gardiens de porte colossaux. Le voici en 2009, et donc c'est une statue qui est extrêmement honorée par les Lao, toujours à l'heure actuelle, et on le voit juste après la tempête Ketsana, qui a malheureusement créé quelques dégâts sur le site de Vadpou, et qui est passé à 10 cm de la statue sans la toucher, ce qui bien évidemment lui a donné un pouvoir magique encore plus important qu'elle n'avait auparavant. Donc on continue la montée vers le Saint des Saints par une allée d'allées. Vous voyez ici que ce sont juste des dalles glissées les unes sous les autres. Et d'ailleurs, la fréquentation de plus en plus importante du temple, on est à plus de 100 000 visiteurs par an à l'heure actuelle, commence à faire bouger ces structures qui sont juste posées les unes sur les autres. Et en fait, il faut savoir que les temples hindouistes, les temples khmers, n'étaient pas ouverts comme, par exemple, les églises à un très grand nombre de pèlerins. Elles étaient réservées, ce sont des temples qui étaient en fait des maisons du dieu. Elles étaient donc réservées simplement aux officiants qui faisaient les cultes des dieux. Et donc, ce n'était pas prévu pour accueillir énormément de monde. Donc, évidemment, le temple commence à souffrir de cette présence touristique, et il va falloir dans l'avenir prendre des mesures pour préserver le site, tout en bien sûr le laissant libre d'accès aux touristes. Donc le soubassement supérieur est formé par 7 gradins que vous voyez ici, et la montée se fait par des marches très étroites et très hautes. Toujours aussi, pour cette même raison, ce n'était pas fait pour être fréquenté par énormément de monde. Donc il n'était pas nécessaire de faire des marches faciles à franchir. Donc vous avez ici 7 volets de 11 marches, totalisant ainsi 77 marches. Voici le soubassement à gradins du côté sud, puisque le soubassement de l'autre côté, du côté nord, a malheureusement subi des éboulements à date ancienne et quasiment complètement détruit.
Une fois qu'on arrive sur la terrasse supérieure, voilà la vue que l'on peut avoir du temple, et c'est seulement à ce moment-là qu'on se rend compte du côté imposant que peut avoir le temple de Vadpour. Vous voyez ici hein, les deux grands barails hein, qui sont en eau en permanence. Par contre, à l'avant, il y a toujours à l'origine deux petits barails un peu plus petits. Et malheureusement, ces deux-ci, en fait, donc c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose dans l'avenir proche, ne gardent pas les eaux. En fait, ils gardent un petit peu les eaux pendant la saison des pluies. Cette photo a été prise il y a un mois. Mais vous voyez, donc malheureusement, ils sont à sec la plupart du temps. Le sanctuaire principal, donc qui accueillait le linga principal de Vadpour, donc la maison du dieu Shiva, composé d'un avant-corps en grès, donc celui-ci date hein, du milieu du XIIe siècle et du style du Bapuan. Le Bapuan sera donc le thème du film qui va être projeté samedi prochain. Et il est composé de deux parties, ce sanctuaire principal, un énorme avant-corps en grès, avec trois nefs, formé de trois nefs. On le voit ici mieux sur la vue latérale. Et à l'arrière, une cella en briques, en partie effondrée, qu'on a longtemps pensé antérieure à la partie en grès qui se trouve à l'avant, côté est. Les fouilles que l'on a menées en 1995 autour du temple ont montré que ce n'était pas le cas et qu'en fait, cette structure, même si son aspect général donne une impression plutôt ancienne, puisque les temples pré-encoriens étaient plutôt bâtis en briques, tandis que les temples encoriens étaient bâtis en grès, en fait, cette partie en briques a été reconstruite après la partie en grès. Puisque je vais vous le montrer juste après, on voit que donc, c'est la partie en briques qui englobe la partie en grès. Ici, les dégagements ont montré en fait, le dallage d'origine du temple, et vous voyez ici un certain nombre de trous qui montrent qu'un platelage en bois devait permettre de circuler autour du temple. Voici une vue de l'intérieur de la cella qu'on ne peut plus visiter pour des raisons de sécurité puisque le monument est assez fragile. Et donc voici quelque chose que vous ne pourrez pas voir si vous allez sur Vadpour. Donc elle est vide de construction et malheureusement le linga principal qui était à l'intérieur du temple n'a pas été retrouvé. Voici donc ce dont je vous parlais juste avant. C'est la façon dont la partie en briques vient donc englober la partie en grès et qui montre qu'il ne s'agit pas d'une construction antérieure mais d'une construction postérieure. Enfin à l'arrière du temple, un bas-relief qui date de l'époque d'Angkor Wat, qui montre la Trimurti Shivaïte, hein, c'est-à-dire un Shiva à 5 têtes et 10 bras, encadré par les deux autres grandes divinités hindoues, Brahma d'une part à 4 têtes et 4 bras, et Vishnu ici à 1 tête et 4 bras. Alors quand je dis 4, bien sûr vous n'en voyez que 3 ici et 5, et au lieu de 5, 4 ici, hein. La dernière tête est à l'arrière et est considérée comme existante, même si elle n'est pas sculptée. C'est quasiment ici la seule figuration de Shiva sous forme humaine, puisque nous ne connaissons aucune statue de Shiva provenant de Vadpour ni de la région. La seule chose, disons, toutes les autres représentations de Shiva sont toujours, toujours le linga. L'iconographie du sanctuaire principal donc, montre extrêmement peu Shiva. Vous en voyez un ici en tant que Shiva à 7, tenant le rosaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait plusieurs ermitages shivaïtes dans la montagne. Et par contre, comme d'habitude pour tous les temples shivaïtes khmer, c'est Vishnu qui est essentiellement représenté au fronton et au linteau,
Vous le voyez ici, donc toujours à une tête et quatre bras, qui est sa figuration habituelle, chevauchant sa monture, l'aigle Garuda, l'ennemi des serpents, qu'il foule aux pieds ici et qu'il en serre de ses bras en signe de victoire. Alors pourquoi est-ce que Vishnu a été la plupart du temps représenté sur des temples shivaïtes? On n'en connaît pas exactement la raison, mais il est vrai qu'il y a beaucoup plus de légendes attachées au cycle de Vishnu qu'au cycle de Shiva. Et Vishnu s'est incarné plusieurs fois sur Terre, donnant à chaque fois l'occasion de plusieurs légendes, et notamment il combat à plusieurs reprises un certain nombre de démons. Vous le voyez ici combattre un démon qui s'était incarné sous la forme d'un serpent gigantesque, Kaliya, qu'il est en train d'écarteler en deux. Vous voyez ici la moitié du serpent avec trois têtes et l'autre côté exactement pareil. Ici encore, écartelant un autre démon, ici sous forme humaine. Et puis, il y a également des mythes de fondation, de création du monde qui sont illustrés à Vatpu. Le mythe du barattage de l'océan, que l'on peut voir encore matérialisé de manière gigantesque par les chaussées d'Angkor Thom de Prakan, où les géants, les dieux et les démons s'allient en fait pour tirer de l'océan primordial la liqueur d'immortalité, qui va leur permettre donc de devenir immortels. Ici Vishnu qui sert sous forme de tortue, qui sert de pivot à la Bharate, qui va permettre donc d'extraire de l'océan primordial la liqueur d'immortalité. Enfin, les grandes épopées sont représentées également. Ici, une scène du Ramayana qui sera une épopée reprise dans le bouddhisme postérieur également, et qui montre le singe Hanuman enlevant la princesse Sita. Et puis, comme dans pratiquement tous les temples khmers, une place importante est réservée à Indra, le roi des dieux, monté ici sur son éléphant tricéphale. Enfin, on peut, puisque le sanctuaire en fait est la maison du dieu, et que Indra règne sur une montagne, et les palais des dieux sont donc des palais volants, le sanctuaire de Vatpu est considéré également comme un palais volant, et donc nous avons en bas-relief, sur les parties extérieures du temple, non seulement des nymphes célestes qui accompagnent donc ce palais volant, donc des devatas. Vous voyez à quel point la finesse de la sculpture montre que de grands sculpteurs sont intervenus à Vatpu. Et puis, comme en bas, d'une manière colossale, bien sûr, nous avons toujours les gardiens de porte en bas-relief qui tiennent la massue et qui gardent les entrées de la chambre de Shiva. Cette photo ici est présentée dans l'exposition et montre une devata qui rappelle plus les devatas du petit temple de Montesraya encore. Et on peut admirer le geste assez gracieux de la façon dont elle tient sa chevelure entre ses mains. Et donc, en fait, toutes les devatas sont toujours des pièces uniques et sont toutes différenciées les unes des autres. Une vue intérieure du sanctuaire principal, qui est maintenant réutilisée par le bouddhisme. Alors, probablement, le temple de Vatpu n'a jamais été abandonné. S'il est resté hindouiste et dédié à Shiva jusqu'à la fin de l'Empire angkorien, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIIIe siècle, on peut imaginer que le bouddhisme s'installe à l'intérieur du temple quasiment tout de suite après, probablement dès le XIVe siècle. Alors ici, nous avons une vue des Bouddhas actuels qui sont à l'intérieur du sanctuaire, et vous voyez comment le grand Bouddha colossal vient prendre toute la place de l'architecte de l'avant-corps, et est à la même hauteur que les faux plafonds qui devaient exister à l'origine. Et par contre, voici comment il était dans les années 10-20. Vous voyez qu'on voyait encore l'architecture khmer beaucoup facilement, et ce sont des petits bouddhas à l'époque qui étaient installés là. Et donc, voilà.
Le sanctuaire principal n'est pas la seule construction qui soit installée sur la terrasse supérieure. Cet édifice en partie effondré a probablement une origine pré-encorienne puisqu'il s'agit d'une cellule monolithe. Alors monolithe parce que les parois étaient en grès et faites en grandes parois de grès qui se sont malheureusement brisées en s'effondrant. Tout cela dû à des mouvements de sol de la terrasse supérieure, et c'était probablement une cellule de méditation pour des ascètes shivaïtes. Et par contre, dans la même zone, donc du côté nord de la terrasse supérieure, des rochers sculptés, probablement plus récents, bien qu'on ne puisse pas leur donner de date précise. Ici, vous voyez un éléphant sculpté dans le rocher, un crocodile qui est censé être une table de sacrifice, ce qui est très fort, très probablement une légende, et puis un escalier encadré par des nagas. Alors, bien entendu, on ne peut pas donner de date, et on a longtemps pensé que c'était des sculptures qui étaient très récentes. On peut cependant se poser la question, puisque sur un autre site khmer qui est situé au Cambodge et qui est le temple, qui est le site de Koh Kher, on peut remarquer le même type de représentation sculptée sur des rochers. Ici, une sorte de crocodile, ici un félin. Et donc vous voyez ici un Koh Kher entre Wat Phu qui est là et encore. Donc lorsque nous sommes intervenus en 91, c'est surtout sur cette zone-là que nous avons travaillé. Les fouilles ont duré environ 3 ans, de 91 à 93, sur un temps en gros de 3 à 4 mois par an, durant la saison sèche. Et en fait, ce qui était absolument inconnu jusque-là, donc en dégageant tout cet espace-là, on a pu s'apercevoir que toute la zone de la source, donc issuante sous l'abri sur roche, avait été aménagée à l'époque khmer et complètement sacralisée, et en fait, et qu'un système d'adduction des eaux de la source permettait d'amener ces eaux jusqu'au linga principal, ici dans la cella, et de l'ondoyer en permanence. Alors en fait, on suppose que ces eaux sacrées étaient considérées comme venant de la montagne de Shiva, et donc il était logique que les eaux de Shiva ondoient la même divinité dans le sanctuaire principal. J'en profite pour vous montrer ici le plan du sanctuaire principal. Vous voyez à quel point l'avant-corps est développé par rapport au sanctuaire lui-même. Donc voici une photo de la zone de la source. Vous voyez comment la falaise couvre donc cet abri sous roche. Et malheureusement, périodiquement, des éboulements de roc viennent tomber sur les édifices. Et c'est ce qui s'est passé pour cette zone-là, ici à date ancienne. Mais même également plus récemment, puisque en 95, de nouveaux blocs sont tombés, limitant l'accès, encore plus l'accès à cette zone. Donc voici comment se présente la zone de la source à l'heure actuelle. Un faux un socle pré-encorien sert de bassin de rétention des eaux, et les eaux étant canalisées par un élément en forme de naga. Voilà comment se présentait le temple en 91. On voyait juste le haut de la partie préservée affleurée au niveau de la terre. Vous voyez donc comment, en gros, là, on a plus d'un mètre de dépôt alluvionnaire. Donc, c'est quand même... voilà, on ne sait pas exactement combien de temps il a fallu pour que ce dépôt se fasse, mais probablement plusieurs siècles. Et donc, voici ce que donne le temple qui a été dégagé donc en 91, 92 et 93, montrant ici un tout petit templillon fait d'une façade en grès et prolongé par des murs en briques qui venaient s'accrocher à la brise roche duquel suintait la source à l'époque. En fait, maintenant, la source est un peu déplacée, et donc ça sanctifiait tout cet endroit du site. Et ce sont donc des éboulements, en fait, qui ont détruit toutes les parties supérieures de ce sanctuaire et que qu'on a pu retrouver dans les éboulis qui sont tombés en avant de ce templillon.
Voici donc le linteau qui avait déjà été retrouvé à proximité du temple et qui montre une divinité gardienne, peut-être Vishnu, armé de la massue ici. Et puis, vous voyez cet éboulement qu'on a totalement dégagé lors de cette période et sur lequel on sait que tous les éléments différents des superstructures du temple sont présentes et sont susceptibles d'être remontés le jour où on pourra avoir des financements suffisamment importants pour le faire. Vous voyez ici un mur d'enceinte qui permettait de clore complètement cette partie qui devait être considérée comme particulièrement sacrée à l'époque mère. Et dans cet éboulis a été retrouvé cet élément qui maintenant est exposé au musée de Vatpou et qui est le premier étage au-dessus du linteau que je viens de vous montrer et qui montre un Dvarapala avec une fausse porte ici. On peut imaginer restituer un autre Dvarapala de l'autre côté, donc un autre gardien de porte. Et donc ensuite, il devait y avoir probablement un second petit faux étage et qui devait former les éléments supérieurs de la tour du temple. Plus au nord, toujours dans cette même zone, on a pu restituer sous l'abri sous roche deux bassins de rétention des eaux sacrées, de collecte des eaux, qui permettaient donc d'amener les eaux jusqu'à la celle-là. Donc ils étaient construits en briques, recouverts de dalles en grès. Voici une photo du dégagement de l'allée qui permettait donc par des éléments de canalisation en grès fermés par des couvercles, montés sur colonnettes, d'ondoyer, d'amener l'eau de la source directement jusqu'au linga de Vatpou. Là, ce ne sont qu'une partie des éléments que nous avons retrouvés, mais il y en a un certain nombre en plus qui ont été dégagés, qui sont réenfouis sur place en attendant qu'on puisse les remettre en place. Mais en tout cas, on pourrait quasiment remettre en fonction le système d'ondoiement du linga, comme c'était le cas au 11e, 12e siècle. Donc voici de ces bassins-là, donc ces colonnettes et ces canalisations montées sur colonnettes suivaient un angle droit et donc venaient jusqu'à la cella principale. On voit ici dans l'allée qui a été dégagée les trous dans lesquels venaient s'intégrer les colonnettes. Donc autre vue, les colonnettes passaient par cet orifice ménagé ici dans le mur d'enceinte ouest du temple. Et donc, à la base du mur, ici, tournait angle droit vers la cella. Voici, voilà, l'orifice final qui permettait donc d'amener la dernière canalisation jusqu'au linga principal. Plusieurs lingas ont d'ailleurs été retrouvés dans toute cette zone, vous les voyez ici, lors de leur dégagement. Alors, il y a plusieurs formes de lingas, je ne vais pas rentrer dans les détails, à double forme, à triple forme ici, il manque la partie carrée, et puis parfois des cinq lingas qui ont toutes des sélections légèrement différentes. Enfin, un certain nombre de divines de statuettes ont été découvertes avec. Dans le Templillon, et ici vous avez deux statuettes de Vishnu, une divinité féminine qui, en l'absence de ses attributs, ne peut pas être identifiée, une statuette en bronze également, dont la partie supérieure a été malheureusement arrachée, probablement à date ancienne, mais vous pouvez constater la finesse du travail du vêtement du dieu. Une petite tête de Brahma ici en bronze également et un petit reliquaire en or contenant deux pierres jaunes qui sont probablement des saphirs qui étaient incluses dans l'un des murs du Templillon. Donc vous voyez que même si le site est dédié à Shiva, ça n'empêche pas là encore que des divinités, de la statuaire Vishnuite ou même des images de Brahma aient pu être en relation avec ce site. Ce site, donc, cette zone de la source a été longtemps et d'ailleurs est toujours l'objet de vénération par les Lao, puisque le festival de Vatpou qui a lieu chaque année en février
a pour but justement de venir chercher les eaux sacrées de la source qui sont réputées curatives, etc. Et à l'arrière du Templion, on a pu retrouver aussi d'autres statuettes de style Lao cette fois-ci. Celle-ci est datée par inscription du XVIIe siècle, ce qui montre qu'éventuellement l'effondrement de ce Templion a pu être relativement tardif, puisque les statuettes ont été retrouvées à l'intérieur du Templion. Et enfin, on sait aussi qu'il y a eu des éléments antérieurs à la période encorienne, puisque nous avons retrouvé en réemploi dans le pavement à l'avant du Templion, vous voyez ici ce visage, donc des éléments de plaquage de temples en grès, mais de temples en briques, qui devaient orner les façades de temples de l'époque pré-encorienne. Et donc ceci est un des éléments qui nous fait penser qu'avant l'état actuel de Vatpou, il devait y avoir la présence d'un temple pré-encorien au même endroit. Ce site de Vatpou est d'autre part sacralisé d'une autre manière. On va maintenant voir un petit peu on va s'éloigner du temple lui-même pour retourner dans la région de Vatpou, et notamment d'abord le rocher de Kalmakouk, qui est très rarement visible, puisqu'il faut vraiment que le Mékong soit à très très basse eau pour qu'on puisse le voir et y accéder. Ça fait par exemple plusieurs années qu'on ne peut pas, qu'il n'est pas à sec. Mais il s'agit d'un rocher qui a été entièrement sculpté à l'époque khmère et qui avait pour but, comme c'est le cas au Mont Kulen avec la rivière de Siem Reap, de sanctifier les eaux du Mékong et de les transformer en Gange, le fleuve sacré indien et le fleuve divin. Puisque c'est le fleuve, puisque le Gange est censé, dans la mythologie indienne, sortir, s'écouler du chignon de Shiva. Donc voici ce rocher. On voit depuis le rocher le Linga Parvata, ici en lointain. Voici le plan qui a été levé par nous dans les années 96. Et vous voyez que le plat du rocher était sculpté de petits lingas ici. Alors malheureusement, ils ont tous été arrachés de façon volontaire, hein, probablement par des enfants ou par des pêcheurs qui devaient se servir de ce rocher pour faire aborder leur barque. Et donc les 1000 lingas sont toujours liés au culte de l'eau. Et donc sont un des éléments qui nous font penser que ce rocher était là pour sanctifier vraiment les eaux du Mékong, les transformer en Gange. Donc en plongeant tout autour du rocher, on a pu récupérer un peu plus de 90 pièces. Et vous voyez qu'on a même pu réussir à les remettre en place. Donc on connaît exactement l'emplacement de tous ces petits lingas. Tandis que la paroi du rocher qui était accessible, ici de ce côté-là, on est tout de suite dans des fonds assez profonds et le courant est très très important. Mais par contre, ici, on a une espèce de méplat qui permet d'aller facilement faire des dévotions éventuellement ou avoir pied sur cette partie du rocher. Et donc, c'est évidemment cette partie-là qui a été sculptée à l'époque encorienne par des mythes de création du monde. Donc ici, d'autres lingas rapportés, ceux-ci, qui sont installés sur le plat du rocher. Et voici ce qu'on peut remarquer comme sculpture sur le rocher. Donc vous voyez qu'elles sont extrêmement abîmées, érodées bien entendu par l'eau, mais malheureusement, tous les visages ont été arrachés de manière volontaire. Donc ici nous avons un des mythes les plus importants de création du monde dans la civilisation indienne. C'est Vishnu qui dort sur le serpent Ananta, qui dort sur l'océan primordial et qui rêve le monde et qui en le rêvant permet au monde donc d'exister. Et de son nombril, que l'on voit ici, naîtra le dieu Brahma qui a malheureusement été arraché. Ici, une autre vue de Vishnu sous la forme de la torture que nous avions vue tout à l'heure lors du barattement de la mer de Lé. D'autres mythes
de création. Ici, une scène d'ondoiement, probablement. Un Vishnu à quatre bras dansant. Et puis ici, probablement, une divinité encadrée par deux Dvarapala. Donc, on peut se demander s'il s'agit de Vishnu ou de Shiva. Ou de Lakshmi, pardon, ça paraît. Enfin, on a eu la chance de pouvoir récupérer non seulement les petits lingas en grès qui avaient été jetés tout autour du rocher, mais également ce magnifique socle en grès orné d'une pierre verte qui est en parfait état de conservation et qui a été retrouvé sous un bloc de rocher dans l'eau, tout à fait par hasard, en tâtonnant à la main, en recherchant donc les petits lingas qui avaient été arrachés. Voilà, Linky Oussouk-Savadi, qui aurait dû être là ce soir, a pu trouver ce magnifique socle à Linga qui est maintenant installé au musée de Phnom Penh, au musée de Vatpou, par contre, pardon, mais il existe exactement le même au musée de Phnom Penh et on en a un autre exemplaire au musée Guimet à Paris. Donc la ville ancienne maintenant, en fait au départ de la ville ancienne, c'est cette stèle qui a été traduite d'abord par Louis Finot puis par Georges Cédès ensuite, qui a permis de se poser la question de savoir s'il y avait une ville, puisque cette inscription est une stèle de fondation de ville et elle indique qu'un roi qui s'appelle le roi Devanika, venu de loin, alors on ne sait pas ce qu'il faut entendre par venu de loin, mentionne donc la fondation d'un grand Tirtha. Tirtha veut dire en sanskrit structure rectangulaire, qu'il nomme le Kurukshetra, c'est-à-dire c'est le nom de la ville. Donc cette stèle date du 5e siècle. Elle mentionne également le Linga Parvata comme étant existant depuis extrêmement longtemps. Donc c'est pour ça que l'on suppose que le Linga Parvata et la montagne de Shiva étaient probablement identifiés comme un lieu saint, probablement dès le 3e, 4e siècle. Et lorsque Finot et Cédès traduisent cette stèle, la ville ancienne n'est pas encore connue. Alors, elle est ici photographiée dans le musée, puisqu'elle est installée au musée de Vatpou maintenant. Et ici, dans les années 1910-1912, dans la ville ancienne. On suppose qu'elle avait été trouvée, on n'est pas exactement sûr, près de l'embouchure, près du Mékong en tout cas, près de l'embouchure d'un ruisseau qui forme la clôture de la ville ancienne. Et ce n'est qu'en 1954, lorsqu'il y aura la couverture aérienne française qui couvrira tout le Laos, que Finot, en regardant cette photo, va s'apercevoir qu'il y a des tracés réguliers au sol que l'on peut déterminer. La stèle a été trouvée en gros à peu près à cet endroit-là. Et il va se dire, mais ce Tirtha correspond à une ville et en voici les murs d'enceinte. Donc, vous voyez la façon dont la ville ancienne est positionnée par rapport au temple de Vatpou. Elle est située à 4 km du site et donc en bordure du Mékong. Le Mékong grignote en fait la rive droite, la rive droite de. Et donc, on peut supposer que la ville était rectangulaire et non pas carrée comme elle apparaît aujourd'hui. Voici une autre vue, un dessin de Pierre Pichard qui montre l'ensemble des structures. Et ici, le plan que l'on a pu lever est avec le relevé de toutes les structures, les vestiges archéologiques repérés au sol. Donc vous voyez un certain nombre d'enceintes. Celle-ci en rouge correspond à une enceinte en briques, tandis que les autres murs sont des murs en terre qui sont quasiment effacés. Et donc c'est vrai qu'il faut un œil vraiment averti pour se rendre compte qu'il existe cette ville ancienne au sol. Alors bien sûr, tous ces monuments ici sont enfouis sous des tertres de terre, ils ne sont pas visibles, et seuls les bassins matérialisés en bleu ici sont donc pour l'instant facilement repérables. Vous voyez que les monuments ne sont pas limités à l'enceinte, puisqu'ici on a un groupe de temples avec plusieurs bassins. En dehors de la ville également, il existe d'autres structures et dont certaines sont en cours de fouille puisque c'est ici la dernière fouille que l'on a pratiquée cette année.
Alors voici ce qu'on peut voir par contre dans la ville ancienne, c'est-à-dire pas vraiment de temple, mais quand même des éléments du mobilier architectural qui montrent qu'il y avait des monuments en dessous. Et en règle générale, c'est ce qui nous aide à pouvoir déterminer les emplacements des fouilles. Donc on peut, à chaque fois que l'on voit ce genre de choses, on peut être quasiment certain qu'il y a un monument en dessous. Voici un très très beau linteau qui est maintenant au musée de Vadpour, qui a été retrouvé en plein milieu de la ville il y a quelques années. Qui est donc un linteau pré-encorien. Donc pour l'instant, en 20 ans, il y a eu 4 monuments fouillés dans la ville ancienne. Chaque fouille demandant souvent plusieurs années d'intervention. Donc Nong Vien et Wessawa 2 d'abord, Nong Mung en 2011 et Watsango en 2013. Voici le site de Wessawa 2 qui est un des sites les plus importants que nous ayons fouillé. Alors vous voyez comment les structures affleurent à peine sous la terre et comment les constructions modernes peuvent très très rapidement les mettre en danger. Ici, toutes les superstructures ont disparu et nous n'avons plus qu'une partie du soubassement encore préservée. Voici ce qui reste de l'ornementation du soubassement. Et ici, une marche en demi-lune qui annonçait l'entrée du temple. Des éléments en grès qui sont épars sur le monument. Et donc le lever du plan que nous avons pu effectuer et qui montre qu'en fait ce monument est tout à fait comparable à des monuments situés à Sambor-Prepouk, qui est la première capitale avant Angkor, qui se déplace entre Vadpour et Angkor. Donc il y a cette première capitale qui datera du 7e, 8e siècle. Et c'est ce qui nous a permis de déterminer avec certitude que Vadpour était bien le lieu d'émergence des premières dynasties royales Khmer, c'est cette inscription trouvée sur le site de Wessawa 2. Je reviens, non, voilà. En fait, ici, il y avait deux socles anandines et ces deux piédestaux en grès ont été retrouvés de part et d'autre de l'entrée. Et donc, c'est sur ces socles en grès qu'étaient installées ces quelques lignes qui indiquent que le roi Mahendravarman, donc en tant que prince Citrasena, dédie deux statues de taureaux, donc de Nandine, le taureau de Shiva, l'une à son père, Viravarman, et le second à son oncle. Et donc, ceci indique de manière certaine qu'il s'agit d'un temple aux ancêtres et que c'est donc bien de la région de Vadpour que proviennent les premières dynasties Khmer, puisque Mahendravarman puis son frère Bhavaranan sont les deux premiers grands rois du Cambodge que l'on puisse connaître. Alors ils essaimeront d'abord, sont des rois conquérants, ils iront d'abord conquérir le nord-est et donc toute une partie de la Thaïlande actuelle, puis Bhavaranan s'installera vers le sud et donc c'est lui qui créera la capitale de Sambor-Prepouk, qui sera le centre, la première capitale, la grande capitale du Chenla, avant l'émergence du royaume angkorien. Cette ville, nous le savons par nos autres prospections, puisque nous avons prospecté de Vadpour ensuite vers la frontière Khmer, d'une part le long du Mekong, et on s'est aperçu qu'à l'époque pré-angkorienne, vous avez ici en vert matérialisé tous les sites de l'époque pré-angkorienne qui ont été repérés, une grande présence en bordure du Mekong, puis à l'intérieur des terres à l'époque angkorienne, cette route qui va donc permettre de rejoindre Vadpour et Angkor directement. Et en fait la raison de tout ça, c'est justement le fait que tous les rois Khmer, pour légitimer leur droit au trône, n'auront de cesse de faire des dons à ce site et de préserver ce site en se souvenant que leurs ancêtres venaient bien de cette région. Donc un siècle plus tard, justement à Wekadien, sur un temple du Xe siècle, on a retrouvé une inscription qui est utilisée en pied droit
et qui montre que la ville de Kurukshetra est également nommée dans cette inscription, et qui montre que donc cette ville a régné sur un territoire relativement vaste, en tout cas puisque ça fait à peu près 160 km jusqu'à la frontière cambodgienne qui est ici, donc a régné sur un territoire assez vaste pendant au moins un siècle, sinon deux. Ici, une autre fouille pratiquée en 96, 97, 98, qui est le stupa de Nongvien. Vous voyez ici cette structure circulaire, hein, qui sont des douves, à l'intérieur de laquelle il y a un tertre. Et nous avons pu dégager deux structures circulaires en briques, en briques accolées l'une à l'autre. Voici ce que ça donne. Vous voyez ici, en fait, alors là encore, il ne reste que les soubassements et la plateforme pourtournante du site. Et ce qui nous permet de penser qu'il s'agit d'un stupa d'abord et la forme circulaire, le stupa étant le monument bouddhique par excellence et le rite bouddhique étant donc d'en faire la circumambulation autour du temple. Et vous voyez ici que les parties supérieures également ont disparu. Mais que l'âme en terre du stupa a été partiellement conservée, même si les parties supérieures sont arasées, et que donc le tout devait être recouvert, en fait, devait former une espèce de dôme arrondi et devait être recouvert de briques en parement. Les accès est n'ont pas été fouillés, mais sur les autres accès nord, sud et ouest, on a pu retrouver les plaques des chiffres qui annonçait qui encadrait les escaliers qui menaient à la plateforme supérieure. Et vous voyez la grande qualité du travail en grès de ces plaques des chiffres qui doivent dater donc de la fin du VIe siècle et qui montrent des édifices en réduction. Malheureusement, aucune divinité bouddhique n'a été retrouvée à Nongvien. Mais cette tête colossale qui est exposée à Batfu date elle-même de la fin du VIe siècle, et provient d'un site qui est conservé à qui existe à Champasak, sous un monument, sous un monastère là-haut actuel, et qui montre qu'il y avait effectivement, comme on le voit ici, probablement un sanctuaire bouddhique préexistant, datant également de l'époque pré-angkorienne. Alors, il faut savoir que dans le monde khmer, jusqu'à quasiment la fin de l'époque angkorienne, toutes les religions ont été tolérantes les unes envers les autres et ont pu, des temples shivaïtes, vishnouïtes et des monastères bouddhiques ont cohabité sans que ça ait, semble-t-il, posé de soucis. Et c'est ce que nous montre Batpu, puisque nous avons à la fois des monuments bouddhiques et des monuments hindouistes à l'intérieur d'un même espace. Pour terminer sur la ville ancienne, je tenais à vous montrer des pièces qui vous montrent à quel point la qualité des sculpteurs qui ont pu intervenir à Batpu. Et malheureusement, ce sont trois pièces d'une très très grande importance artistiques qui ont disparu dans les années 70. Ici, une tête en argent quasiment grandeur nature que des paysans ont trouvé dans la ville ancienne, dans un bassin, semble-t-il, et qu'ils ont malheureusement essayé de se partager en deux, d'où la trace des coups ici qui est de haches qui sont extrêmement visibles en partie médiane du visage. Et n'ayant pas réussi à la diviser en deux pour la vendre, eh bien, ils l'ont donc offert au prince Bounoum, Nath Champasak, qui était le maître du sud Laos à ce moment-là, et d'autres prières pré-angkoriennes d'une très très grande qualité artistique qui ont malheureusement disparu. Ici, une divinité qu'on peut dater également de la fin du VIe siècle. Et puis, ici, une pièce angkorienne, qui est une pièce en bronze, qui devait orner un char. Donc, il s'agit d'un aboutiment de char. Pour terminer avec la ville ancienne, les dernières fouilles. Ici, le site de Don Mung, qui nous montre, sur lequel nous n'intervenons plus que par tranchée, puisque, en fait, il est un peu, nos budgets étant beaucoup plus réduits qu'auparavant,
Nous ne faisons plus de la fouille extensive. Donc ici, une tranchée a été pratiquée sur toute la longueur du temple. Vous voyez ici un linteau au sol qui permet, d'après son style, de le dater du 7e siècle. Et c'est un site quand même assez important parce qu'on voit, et on a vu en le dégageant qu'il avait subi plusieurs réaménagements successifs. Et donc il avait eu une longue existence. Et sur les niveaux les plus anciens, on a pu retrouver de la céramique correspondant à la céramique du Funan, qui daterait du 2e, 3e siècle, et qui montre que probablement dans l'avenir, il faudra réviser nos visées chronologiques et dater la ville antérieurement à cette stèle de Devanikat qui date du 5e siècle. Enfin, le dernier complexe qui a été fouillé cette année, qui va être fouillé à nouveau en 2014, qui est un grand complexe qui comporte au moins 4 tertres, délimité à l'ouest par un double mur d'enceinte, et qui est assez intéressant dans la mesure où il nous montre un aménagement de structure qui semble antérieur à tout ce que nous avons pu dégager dans la ville ancienne. Et on se demande ici, comme dans la mesure où il y a plusieurs tertres et que ça couvre un ensemble assez important, s'il ne s'agirait pas d'un premier établissement urbain antérieur donc à cette grande ville khmère qu'on peut dater du 5e siècle. Donc c'est des choses que nous devons préciser encore dans les années à venir. Enfin, la région de Wat Phu nous laisse à penser que nous pourrons encore avoir des grandes découvertes à faire, puisque lors de la création de la nouvelle route qui permet d'accéder directement à Wat Phu par la rive droite du Mekong, qui a été creusée en 2009 et pratiquement terminée en 2011, un temple a été découvert malheureusement parce qu'une partie en a été détruite par le passage de cette route. Et c'est un site qui est situé à 20 km de Wat Phu, qui est situé également à flanc de colline. Vous voyez ici le Phu Malong, et vous pouvez remarquer à quel point il est proche au niveau forme du Phu Khao. Et on pense que donc ce n'est pas par hasard que c'est sur les flancs de cette colline qu'un site a été installé. La seule différence avec Wat Phu, c'est qu'il s'agit là d'un site pré-angkorien datant du 7e siècle. Vous voyez ici comment la route en fait a explosé une partie du temple qui était à la base de la montagne et dont un édicule engrais a été totalement détruit, mais en préservant seul le piédestal qui était à l'intérieur de cet édicule, qui a été donc malgré tout préservé par les bulldozers et mis en bordure de la route. Et donc en visitant cette zone, on s'est aperçu que donc à flanc de montagne, il existait un petit temple qui est donc ici recouvert encore de terre, mais sur lequel on voit beaucoup de pierres éparses au sol qui sont en partie sculptées. Vous voyez ici le linteau qui est tombé dans la celle-là, qui est donc de style Prekmeng, avec donc 7e siècle, ce qui correspond au style des colonnettes qui ont été retrouvées autour du site, et qui montre donc à quoi pouvait peut-être ressembler Wat Phu à l'époque pré-angkorienne. Alors c'est un site que nous devrions remettre au jour prochainement dans le cadre du FSP Wat Phu. Malheureusement, il est en grand danger et entre 2010-2011, date à laquelle ont été prises ces photos, et aujourd'hui, malheureusement, les déprédations continuent puisqu'il est annoncé à flanc de colline par un petit bassin rectangulaire par montée en grès. Et voici, au mois de septembre dernier, ce qu'il est devenu. Un monastère bouddhique est en train de s'installer sur le site et sans aucune autorisation, parce qu'ils avaient besoin d'eau sur la colline, ils ont fait venir des bulldozers et le bassin qui n'avait même pas été relevé ni fouillé a été complètement élargi. Les bulldozers ont creusé jusqu'à la roche mère. Des structures en briques ont été détruites sans que quiconque ait pu empêcher malheureusement les déprédations de ce site.
ce site, je précise, ne fait pas partie du périmètre protégé UNESCO, est en dehors. Pour terminer, quelques vues de la route ancienne qui mène de Vatpou en Kor. Vous voyez que, contrairement aux installations pré-encoriennes qui sont plutôt situées en bordure du Mekong, elles passent largement à l'intérieur des terres. Ce sont des endroits qui sont à l'heure actuelle extrêmement difficiles d'accès. En fait, la route Khmer, qui se voit même sur les photos satellites, n'est plus réellement une route à l'heure actuelle. Ce sont les racines des grands arbres qui ont poussé dessus, qui ont permis de retenir en partie les terres, de la levée de terre qui la compose. Et elle était jalonnée de temples qui sont ici, vous le voyez, espacés à intervalles quasiment réguliers, et qui sont des temples qui accompagnaient les gîtes d'étape en bois, qui accueillaient les pèlerins qui venaient donc d'Angkor à Vatpou, ou éventuellement de Vatpou à Angkor. Mais on suppose quand même que la route a été percée depuis la capitale Khmer pour permettre aux souverains et aux pèlerins de pouvoir régulièrement se rendre à Vatpou, le berceau de leurs ancêtres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît un certain nombre de routes qui sont datées au Cambodge. On connaît 8 routes anciennes au Cambodge. Toutes sont datées de la fin du XIIe, début XIIIe siècle par le style des gîtes d'étape qui les jalonnent. Ici, vous avez entre, en gros, 14 et 19 km au plus large pour les gîtes d'étape. Et ici, ce ne sont pas des temples de la fin du XIIe, début XIIIe siècle que nous avons qui jalonnent cette route, mais des temples du tout début du Xe siècle, ce qui montre que dès le début de l'époque angkorienne, manifestement, Vatpou a été relié à la capitale Khmer. Alors, ce sont des temples en assez bon état de préservation. Pour l'instant, ils sont donc extrêmement difficiles d'accès. Il n'y a aucune route qui permet d'y aller. Il faut plusieurs heures de marche à pied pour se rendre à chaque fois sur ces sites. Ceux qui sont les plus proches de la frontière cambodgienne sont encore dans des zones minées assez dangereuses. Et il faut des guides et en fait être toujours accompagné par des militaires pour s'y rendre. Ce qui est, dans un sens, pour le moment, un bien, puisque le fait de leur inaccessibilité permet de les préserver en l'état pour le moment. Il faut, alors beaucoup de monde demande à visiter ces sites. Beaucoup de circuits touristiques aimeraient bien inclure cette route dans leur visite d'Angkor et de Vatpou. Mais malheureusement, il n'y a pas les infrastructures suffisantes pour l'instant pour préserver ces sites. Et donc, quelque part, le fait qu'ils soient très très difficiles d'accès est une façon de les préserver également. Tous sont inachevés malheureusement, mais vous voyez la qualité quand même extrême de ces constructions en briques qui étaient toutes accompagnées par de très très grandes retenues d'eau qui montrent que des établissements urbains ou villageois devaient systématiquement être associés à ces temples. Donc en voici deux autres, vous voyez, qui sont systématiquement, ils sont tous très très semblables, et il s'agit toujours d'un sanctuaire central enfermé par un mur d'enceinte en briques, accompagné par deux éléments, deux bibliothèques, ce qu'on appelle des bibliothèques, ce sont deux édicules qui s'ouvrent à l'inverse du temple principal. Et voici le dernier, qui est celui qui est le plus proche de la frontière cambodgienne, le temple de Nong Pam. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'espère que cela vous a donné envie d'aller visiter Vatpou et puis de continuer à suivre le cycle de conférences qui se prolonge demain par une intervention de Jean-Charles Castel, qui est le responsable du Fonds de solidarité prioritaire pour Vatpou, et dans lequel donc il débutera au mois de mars 2014 pour 4 ans, et qui va aider donc la conservation de Vatpou à prendre en charge le site de Vatpou, compris dans son sens large, donc 390 km², à préserver les monuments. Et dans ce cadre, l'École française Extrême-Orient va pouvoir poursuivre d'une part
les fouilles archéologiques du site pour éventuellement pouvoir remettre certains sites totalement au jour de manière à pouvoir être visitable. D'autre part, reprendre les restaurations architecturales sur le temple de Vatpou et également en refaisant une prospection beaucoup plus approfondie de toute la zone des cinq provinces du sud de Laos, de Saranaket à 350 km au nord de Vatpou jusqu'à la frontière cambodgienne, de permettre d'établir une carte archéologique complète assortie d'une publication qui devrait paraître à l'issue de ces 4 années de travail qui vont donc débuter au mois de mars 2014. Je vous remercie de m'avoir écouté.